Voilà, j'ai fait mes 37 cm. Donc maintenant, on coupe le fil. N'oubliez pas, il faut faire deux fois. C'est deux manches. Deux bras, pas deux manches. Désolée. La fatigue. Donc, n'oubliez pas, deux manches. Deux bras. Oui, oui. On rend le fil dans l'aiguille. Donc, il faut prendre l'aiguille. Allez, vous passez le fil dans l'aiguille s'il veut bien. Voilà. Donc, voilà. Vous passez le fil dans les mailles. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez fermer avec les mailles. Hein. Bon, moi, c'est plus facile comme ça. Et je trouve que c'est mieux. Donc, voilà. Vous faites comme ceci. Hop. C'est tout simple. Donc, comme ceci. N'oubliez pas. Maman, je crois que tu as sauté des mailles. Hein? Je pensais que tu avais sauté des mailles. Non. N'oubliez pas. Pour une dimension de la poupée, 1m35. Si, tu as sauté deux mailles. Oui, là, je sais. N'oubliez pas. Une poupée pour 1m35. Et aiguille, 3,5. Pour les bras. Hein. Donc, vous montez 32 mailles. Tu avais déjà dit. Je sais. Enfin, s'il te plaît. Donc, 32 mailles, hauteur 37 cm. Vous terminez, passez le fil dans les mailles. Comme ceci, pour fermer. Ça fait un bras. Pas de manche, un bras. Bon, ça arrive de se tromper. C'est la fatigue. Donc, voilà, ça termine. Comme ceci. C'est pas grave, c'est un orthodonte qui se bat. À cause du chat. À cause du chat, parce que le chat est tout près. Guillaume. Guillaume. Le chat. Voilà, regardez, ça fait comme ça. Voilà. Non, ça n'y a plus rien. Donc, vous faites ceci. Pour faire le bras. Hop. Hop. Il se sent en danger. Attendons. Bon, ceci, regardez, ça fait un bras. Hein. Ça fait une grande poupée. Vous le fermez comme ceci. Oui, oui. Est-ce que j'ai regardé des vidéos, mais il n'y a pas. Sur Internet. Si, au crochet. Mais moi, je ne fais pas le crochet. Je ne sais pas le faire. J'ai essayé, mais je ne sais pas. Donc, vous le fermez comme ceci. N'oubliez pas. Serrez fort. Voilà. Donc, comme ceci. C'est roquette. Donc voilà, vous faites ça tout le long. On se retrouve après. Bon voilà, maintenant j'ai fini les deux bras. Voilà que ça donne. On dirait des chaussettes. Comme mon mari a dit. Mais c'est pas des chaussettes. Bon, les deux bras. Ouais, maintenant on va faire les deux jambes. Bon, toujours l'aiguille numéro 3,5. Voilà. Vous montez 72 mailles. Point mousse. Donc, vous savez comment c'est. Point mousse maintenant. 25 rangées. On se retrouve après. Vas-y. Bon, voilà. J'ai fait les 25 en rang. Maintenant, tricoter 20 mailles. Bon, on va tricoter 20 mailles. Je suis les explications du livre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. 16. Ouais, ouais. 17. 18. 19. 20. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Rabat 32 mailles suivant. Bon. Donc, on fait comme ça. On tricote une. On met la maille au-dessus. Hop. Ça fait une maille. Deux mailles. Trois mailles. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Recule-toi. Oui. Et après, là, son tricot. Tu changes de place à chaque fois. 19. 20. 21. 2. 23. 24. 25. 26. 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Hein. Donc logiquement, on doit me rester 20 mailles. 20 mailles. Hein. 1, 2, 3, non, 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20. Non, tu t'es trompé quelque part. Il doit t'en rester combien? Donc, hop, on tu t'es trompé là. Ah ouais, je sais. C'est toi qui m'as compté à mon avis. Ouais. Donc, hop. Donc, il doit nous rester de chaque côté 20-20. Donc, on est d'accord. Hein? Hein? On ne doit pas fumer les chiens. Donc, là. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, 20. Là, j'en ai 20. 21. Non, j'en ai 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Mais alors celle-là, tu fais quoi avec? Je viens de compter, ça fait 20, tu sais. Oh, ça va, hein? Oh là là. Bon, maintenant, en tout, ça fait 40 mailles.
Donc, ici, ça fait un creux, là. C'est pas grave, hein. Bon, prenez les mailles, là. Là. Pas trop près non plus, hein. Donc, tout en l'endroit, hein, pendant 58 cm. Donc, de là, hein, 58 cm. Hein. Donc, ça, c'est le pied. Donc, on fait ceci. Tout à l'endroit. Bouge pas la caméra. 1, 2, 4. Tout le long, hein. Bon, ici je fais les premiers, après vous continuerez, hein, pendant 58 cm. Comme ceci. Hein, tout le long. On gère, c'est pas une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est toujours en point mousse. N'oubliez pas. Voilà. N'oubliez pas, ça va pas partir tout seul. Audrey, bouge ma souris. Là. Tracassez pas. Comme ceci. Donc on reprend la maille ici. Voilà. Hop. Voilà. Je vous réexplique. Pendant 58 cm. Pour la jambe, prenez des aiguilles numéro 3,5. Comme ceci. Montez 72 mailles. Point mousse. Attends, ça zoome pas. Ah, c'est moi qui zoome. Bon, ça y est. Donc. Voilà, ça va. Bon, montez 72 mailles. En point mousse. Donc, tout à l'endroit. Bon, au 25 en rangée, il faut tricoter 20 mailles, puis rabattre 32 mailles. Puis 20 mailles, vous laissez rassembler, tricoter les deux ensemble. Regardez, ici. Ça fait la petite botte. Ça fait le pied. Le petit pied. Le petit pied. Puis de là, vous tricotez 58 cm. En tout. En tout, hein. Donc, vous devez mesurer de là à là 58 cm. Compris? Puis, vous coupez le fil assez grand. Là. Là, j'ai fini. Hein? Donc, j'ai 58 cm. Donc, vous coupez le fil. Hop. Vous prenez l'aiguille ici. Vous passez le fil dans l'aiguille comme ceci et vous passez dans les mailles comme ceci et ça donne ceci quand on a fini. Voici la jambe. Je veux que je recule parce que c'est donc n'oubliez pas, vous passez l'aiguille dans les mailles ici, vous serrez fort le fil pour que ça fait comme ceci et vous fermez. Ne fermez pas là, comme ça vous passez. Merci du coup de main. À la vous mettez la mousse. La mousse ici et puis vous le fermez comme ceci. Donc voilà, voici les deux bras. On fermera après quand on aura fini le corps de la poupée. Donc voilà. Bon, après, je reviendrai après, on va faire le corps. Ou la tête. Non. Je croiserai plutôt le corps. Mais là, je reviendrai. Donc, à tout de suite. Bon, maintenant ici, on va faire le corps. Avec deux fils blancs. Blanc, rose, comme vous voulez. Hein. Donc deux fils en double. Bon, aiguille 7. Et vous tricotez pendant 44 cm. Et puis vous rabattez les mailles. Puis vous refaites un deuxième morceau, le même. Avec combien de mailles, t'as dit? Avec 26 mailles. J'ai pas dit au début. Bon, aiguille 7. Double fil. 26 mailles pendant 44 cm. Après, vous battez,
rabattez les mailles. Et puis, vous faites un deuxième morceau. Mais pour rabattre les mailles, c'est pas avec l'aiguille hein, cette fois-ci. Ça va? Allez, on se retrouve après. Il y a un morceau, maintenant, on n'a plus qu'à fermer, comme ceci. N'oubliez pas, il faut faire deux morceaux, ça le corps. Donc, voilà. Donc, je répète. Donc, ça le corps, donc, l'aiguille 7. Montée 26 mailles, point mousse, pendant 44 cm. Deux fois. Voilà. À tout à l'heure. Bon, voilà, maintenant on va faire la tête de la poupée avec les aiguilles numéro 3,5. Voilà. C'est bon? Ouais. Bon, vous reprenez du fil simple, pas en double. Hein. Vous montez de 14 mailles en jersey. Donc, une laine à l'endroit, une laine à l'envers. Ben oui. Ça va faire con. Ben, je sais. Pour le moment, hein. Pendant 15 rangées. Après, on va faire une augmentation. Non, de moi. Chaque côté, tous les deux rangs. 3 mailles, 5 fois. 2 mailles, 5 fois. 1 maille, 7 en augmentation. Terminé, tricoter 26 rangées. Droite, sur les 5. Et en tout, ça fait 50 mailles. Et puis, on se retrouve après. Bon, maintenant, on va faire une augmentation. Tous les deux rangs. 3 mailles. Ici, c'est une rangée à l'envers. Ouais. Donc, 3 mailles comme ça. Donc, vous piquez. Je ne sais pas comment il faut... À l'envers, je ne sais pas exactement. Comme ça. Puis, 2. Et 3. Vous relâchez et vous, hop, terminez. Ici, au premier et à la dernière rangée. À la dernière maille, il faut faire les trois dernières mailles. La dernière maille, il faut faire 3 mailles en plus. Puis, tous les deux rangs, 5 fois. Donc, 3 mailles à la première maille. 3 mailles à la dernière, tous les deux rangés. 5 fois. À tout à l'heure.